avec moi sur ce plateau pour nous aider à scruter ensemble ce qui fait l'actualité telle relayée par les Canards dans la parution de ce jour. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. C'est le dernier rendez-vous pour le compte de cette semaine, vendredi 3 mai, une grande date. Quand je viens maintenant, que nous proposent nos confrères. Oui, l'actualité politique au plan national occupe toujours le devant de l'actualité. Des voix s'élèvent désormais en dehors des nombres de morts qu'on essaye de cacher, dissimuler à dessein, je ne sais pas. Il n'y a que des appels à la paix, refusent de partout, à la retenue également. L'Union africaine se mêle. L'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2007, Lionel Zissou, également a donné de la voix. Bon, au Bénin, tout n'est pas aussi mauvais que ça. Il n'y a que le Sport Bowl, par exemple, a choisi le Bénin pour abriter le troisième championnat d'Afrique. Donc, c'est à saluer avec Idrissou Ibrahima. Donc, ce message est également relayé par la plupart des canards que nous avons pu glaner ce matin pour la revue. Et nous allons démarrer avec Actu Express, j'imagine. Oui, le journal Actu Express est au rendez-vous et écrit justement « Chaos national et condamnation mondiale suite donc aux législatives exclusives au Bénin. Restaurer la démocratie pour une paix effective et crise législative exclusive. Lionel Zissou invite à redonner au Bénin sa place de démocratie exemplaire en Afrique et toujours l'Union africaine au sujet des législatives de dimanche passé. Moussa Mahamat Faki déplore l'exclusion de l'opposition pour un retour rapide de l'état de droit au Bénin. L'intervention des organisations internationales vivement sollicitée par les présidents Yahi et Soglo, et parlant justement du choix du Bénin pour l'organisation des troisième championnats du monde de pétanque. El Hadj Idrissou Ibrahima entre efficacité et savoir-faire, écrit à tu Express. Le journal La Dépêche, regain de tensions pré-post-électorales. Écoutez votre peuple, monsieur le président. Élection législative du 28 avril passé. L'Union africaine déplore le contexte d'organisation du scrutin plus bénin passé électoral. L'ambassade des USA au Bénin annule sa séance de projection du film Fahrenheit 451 qui est prévu pour la semaine du mois. Et puis l'audace. Info, crise post-électorale avec des tirs à balles réelles sur les manifestants pacifiques dans une colère légitime au cœur du deuxième jour. Le Bénin compte son premier mort. Et puis démocratie béninoise, Sakalafia reconnaît l'usage d'armes à feu, dans une déclaration lue hier à Addis Abeba sur le Bénin, ça y est, l'Union africaine tire sur la sonnette d'alarme. Le confrère de la matinée, en marge du troisième mondial de pétanque individuel, doublette et mixte doublette en Espagne, Idrissou Ibrahima décroche les championnats du monde de pétanque pour le Bénin. Préoccupé par la situation politique au Bénin, l'Union africaine invite Talon et l'opposition à accorder leur violon. Le nouvel observateur tire à balles réelles lors des manifestations à Cotonou. Enfin, l'ouverture des enquêtes s'interroge. Le journal 1er juillet et 1er et 2 mai 2019, la légendaire paix du Bénin mise à l'épreuve. Et puis, 8e législature, ces députés représenteront qui véritablement s'interroge. Le journal et puis Sport Bowl, Idrissou Ibrahima décroche les championnats du monde de pétanque pour le Bénin. Le journal Le Pays, émergeant cette fois, sortie médiatique du ministre de l'Intérieur au sujet de projet de l'arrestation de Boni Yahi. Sakalafia a menti et pourquoi? Des échauffouries ont fait plusieurs morts, beaucoup de dégâts matériels. La police républicaine a fait usage d'armes létales contre les manifestants. Le pouvoir talon dans le collimateur de la CPI lit la lettre envoyé par Prosper Ladislas Agbessi et puis l'opposition soutenue par la population a déjoué le complot, écrit le journal Le Pays. Émergent et puis résultat provisoire des élections législatives de 28 avril, la Cour Diogbenou confirme les tendances erronées de la Sénat. Le parti USL dénonce un hold-up électoral. Les 83 députés élus ne représentent pas le peuple souverain selon Joël Aïvo. L'Union africaine appelle à la retenue et à l'esprit de responsabilité.
Le journal Point Média pour terminer, 26e édition de la Journée internationale de la liberté de presse. Joël Tchobé pose les bases de la renaissance de la presse béninoise. Crise post-électorale au Bénin. L'armée tire à balles réelles sur les manifestants à main nue. Et puis le ministre de Sakalafia justifie et promet des sanctions. Et puis Joël Itoji, c'est avec cela que nous allons refermer la une des journaux, sans oublier qu'au niveau de la HAC, les élections se précisent et la CEAHAC 2019 fait déjà le point de ses activités à mi-parcours. Tout à fait, que je viens maintenant. Nous allons justement démarrer par Point Média. Point Média qui rapporte, oui, c'est arrivé ce que beaucoup craignaient, des tirs à balles réelles sur des populations. C'est ce qu'a préféré titrer nos confrères ce matin. Non, ils n'ont pas préféré ça. C'est ce qui est et le journal. Non, je parle de leur choix, plutôt. De toutes les façons, la presse n'est que là pour apporter de l'information et la vraie. Et à partir du moment où des balles réelles ont été donc tirées sur la population, elle ne peut donc s'empêcher de rapporter cette information. Et certains l'avaient déjà promis donc, au peuple béninois. Ceux qui tenteraient de brûler seront brûlés en premier et ceux qui tenteraient de casser seront suffisamment fracturés. Donc à partir de cet instant, souffrez que les militaires qui sont sous ordre fassent effectivement usage des armes dont ils disposent pour disperser des manifestants à main nue. C'est déplorable, c'est regrettable. On ne sait pas pourquoi la police, qui dans, quand même, nous ne sommes pas en agglomération, nous sommes quand même à plein coin de Cotonou, c'est une ville. Et la police, d'ailleurs, sa mission régalienne, c'est de mettre de l'ordre. Donc on ne sait pas pourquoi les militaires se sont substitués donc, aux populations pour tirer. Dans un premier temps, les autorités ont nié quand même le fait, ils n'ont pas reconnu l'usage de balles réelles et mieux, des pertes en vies humaines. Mais aujourd'hui, le fait est là, et le ministre pense qu'il va enclencher effectivement des poursuites, donc lancer des enquêtes et si possible sanctionner. On attend de voir ce que ça va donner, mais toujours est-il que le Bénin aujourd'hui est au-devant de l'actualité au plan international. Même des voix qui ne sont pas autorisées se saisissent aujourd'hui facilement du dossier et on traite le Bénin un peu comme ces pays qu'il y a quelques jours encore on en parle négativement, on ne veut pas les nommer ici, mais c'est quand même regrettable qu'on en arrive à ces extrémités. Oui, c'est dommage que je viens maintenant. Ils sont nombreux, les confrères, à relayer les réactions parvenues de part et d'autre. L'Audace Info a choisi de partager avec ses lecteurs la réaction de l'Union africaine. Ce fut une réaction depuis Addis Abeba, que je viens maintenant. Oui, Moussa Mamad Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, pense que ce n'est pas bien dans une démocratie que l'élection ne puisse pas permettre à l'opposition de concourir. Donc à partir de cet instant, il a regretté et déploré donc ce recul de la pratique démocratique qui a cours aujourd'hui au Bénin et estime que les acteurs ont encore la possibilité de redorer le blason. Donc il les invite à prendre langue. Je crois que c'est ce qui a été même recommandé par l'opposition et beaucoup d'acteurs politiques et même de la société civile. Et les médiations aussi, bien du président nigérian Mamadou Bouhari que de la CDAO, comme institution, sans oublier également la mission onusienne. Donc c'est dire simplement que les uns et les autres, pendant longtemps, avaient déjà attiré l'attention des autorités béninoises sur ce qui allait advenir donc d'une élection exclusive. Mais on a fait comme bon semble, et aujourd'hui les résultats sont là. Espérons vivement que cet appel de Moussa Mamad Faki soit entendu par les autorités en charge de prochaines élections, parce qu'aujourd'hui c'est fait, les députés, les 83 sont connus, ils ont été quand même rendus publics par le président de la Cour constitutionnel, l'organe en charge du contentieux électoral. Donc, on peut commencer par croire qu'effectivement, le Bénin dispose d'une nouvelle législature, la 8e. Mais toujours est-il que l'image que ça renvoie, et ça a renvoyé donc cette élection, et ça renvoie aujourd'hui du Bénin à l'international, n'est quand même pas des plus bonnes. Vous l'avez dit, la Cour constitutionnelle chargée du contentieux a tranché. Les confrères du Nouvel Observateur se sont interrogés autrement que de bien maintenant. Les noms sont connus des 83 députés issus de ce scrutin très controversé. Alors, de s'interroger, le Nouvel Observateur, 8e législature, ces députés représenteront qui?
C'est la grosse interrogation à la une du Nouvel Observateur. Oui, je crois qu'il revient à Maître Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, de nous situer. Parce que cette élection, oui, c'est une élection démocratique. C'est reconnu par les tests, mais ce n'est pas quand même une élection nationale où les voix de telle localité peuvent compenser celles d'autres localités. Ici, il s'agit des circonscriptions et les députés sont élus par circonscription, donc pour représenter et porter la voix des habitants de cette circonscription-là. Et si aujourd'hui... Le ministre de l'Intérieur, qui a officiellement reconnu que dans la 8e, par exemple, on n'a pas voté et qu'on pourvoit quand même aux députés de cette 8e circonscription électorale, moi personnellement, ça me pose problème. Je ne sais pas si des tests les prévoient, si des circonscriptions n'ont pas voté et pourtant on leur trouve des députés. Est-ce qu'on les a nommés? Est-ce que la loi permet qu'on pense? Qu'on prenne des voix d'autres localités, d'autres circonscriptions pour faire représenter d'autres élus dans ces circonscriptions. De toutes les façons, c'est un débat qui est ouvert. Je ne suis pas juriste, spécialiste des questions électorales. Je crois que les jours à venir, vous en trouverez pour mieux apprécier le sujet. C'est sûr et promis pour nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, l'aventure s'arrête ici. Quitte à ce qu'on se retrouve lundi. Au revoir.